N1 televizije, imam pitanje za trenera. Kako su vaše očekivanja pred meč sa Bosnom i Hercegovinom i koliko smatrate da je bosansko-hercegovački tim kvalitetan u odnosu na vaš pred sutrašnju utakmicu? Hvala. Bonjour, déjà pour commencer, l'évaluation du match et mes attentes, on verra ce qui va se passer au fur et à mesure du match, mais on sait très bien en amont que c'est une équipe dure à manœuvrer. Bien sûr, je sais avec deux défaites dans le groupe, mais ça ne reflète pas vraiment la situation des matchs. Après avoir mené contre la Slovénie et perdre et avoir perdu et pris deux buts contre l'Autriche en deuxième mi-temps, donc c'est pas facile de marquer des buts à cette équipe. On sait que ça va être un match difficile, encore une fois pour nous, même si le match en Slovénie reste sur un bon score jusqu'à la 44e voire 45e, juste avant la mi-temps. Il y avait 0-0 avec des possibilités pour la Slovénie, donc c'est pas évident. Je pense que ça va être pareil ici. Kod same procjene utakmice ne znamo ništa, unaprijed ne znamo tačno. Imamo primjer kada smo igrali sa Slovenijom gdje se do skoro polu vremena, do 44. i 45. minute igralo 0-0, tako da su mogućnosti velike i očekujemo svakako jednu dosta onako složenu utakmicu. Bonjour, Giovanni Castelli, la chaîne L'Équipe. Warren, tu as été nommé capitaine sur le précédent rassemblement. Là, tu es arrivé déjà dans la peau de ce rôle-là. Voilà, est-ce que tu sens que tes coéquipiers te regardent un peu différemment? Est-ce que ça a changé des choses? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Merci. Déjà, bonjour. Déjà, je suis très content d'être le capitaine des espoirs. C'est une fierté d'être capitaine en équipe de France. Maintenant, non, je ne pense pas qu'ils me voient différemment. Ils sont là pour m'aider, pour me pousser vers le haut à parler, à prendre la parole. Et je pense que c'est ce que le coach y veut aussi. Il y a d'autres leaders dans le groupe, ils sont là pour parler. Et je serai là pour les écouter aussi. Et ça te plaît ce rôle, vraiment? Ouais, c'est un rôle qui me plaît. Après, moi, ça me permet aussi de m'ouvrir, de parler avec les autres et de les indiquer sur le terrain. Pitanje je bilo u vezi kapitena. Kapiten je postavljen i u prethodnom sastavu, s obzirom na to da se radi o novom sastavu. Pitanje je išlo u smjeru kako se on osjeća u okviru novog sastava. Odgovor je da mu je vrlo drago, da je ponosan na to što je kapiten mlade reprezentacije, da mu igrači pomažu, da je on tu da njima pomogne i u grupi, odnosno u ekipi postoje i drugi mladi lideri za koje je on tu da ih sluša i obratno. Bonjour Thierry. Bonjour. Ça fait 3 jours que vous avez récupéré vos joueurs, vous avez pu travailler un peu avec eux. Est-ce que vous êtes satisfait? Comment vous avez récupéré vos joueurs? Vous pouvez nous parler un peu de ces 3 jours-là, s'il vous plaît? Satisfait, ça dépendra du résultat. Non, mis à part ça, on a travaillé quelques trucs pour le match. On doit encore peaufiner 2-3 trucs encore aujourd'hui. Mais sinon, après, ça dépendra bien sûr du match hein, pour être satisfait. Mais non, content, ils se sont retrouvés. Il y a des nouveaux joueurs. Souvent, je le répète, mais la vérité de septembre, c'est pas celle d'octobre. Donc, on va essayer de continuer, de prendre des points. C'est pas facile de commencer des qualifications à l'extérieur, que ce soit en Slovénie, venir ici. Bien sûr, après, on sait qu'on joue à la maison, mais on doit aller en Autriche aussi après. Donc, il faut essayer de prendre des points le plus rapidement possible, sans manquer de respect à l'adversaire. C'est juste une façon de parler et essayer de faire la différence tôt, parce que c'est pas évident à l'extérieur. Les gens pensent que de venir ici ou aller en Slovénie, c'est facile, pas facile du tout. Pitanje je bilo za Thierrya.
Već tri dana ima kako je napravljen novi sastav, kako ste zadovoljni novim sastavom. Odgovor je da ćemo vidjeti kroz rezultat kakav je novi sastav i ima i novih igrača. U svakom slučaju nastavljamo dalje da igramo. Ono što je malo nezgodno i što nije baš jednostavno jeste što sve vrijeme igramo izvan Francuske, bili smo u Sloveniji, trebamo da idemo u Austriji, sad smo u Bosni i Hercegovini. U svakom slučaju to su neke otežavajuće okolnosti. Treneru, zbog vaših očitih veza sa Bosnom i Hercegovinom, da li znate išta reći na bosanskom jeziku? Ako znate, možete li nešto reći? Je vais essayer de rester dans comme on dit en anglais, I'm going to stay in my lane. Mais sinon, je vais revenir en français. Oui, mes enfants sont bosniaques et français. Donc voilà, tout le monde le sait. C'est pas nouveau. D'où vient la question, bien sûr. Et non, toujours content de venir ici. Je vais pouvoir voir mes beaux-parents aussi. Ce soir, normalement, donc voilà, j'étais déjà venu avant ici. Donc voilà, mais bon, on ne va pas non plus s'étendre sur ce sujet-là, même si c'est quand même important pour moi. Et on sait très bien que, enfin, vous savez très bien que mes enfants, oui, sont à moitié bosniaques. Donc voilà. Nećemo se dugo baviti ovim pitanjem. U svakom slučaju znam zašto ste postavili to pitanje. Moja djeca su i Bosanci, i Hercegovci i Francuzi. Dolazio sam i prije u Bosnu i Hercegovinu i evo i sada treba da idem kod punca i punice najvjerovatnije večeras, ali svakako bih ostao na tome. Warren, tu fais un grand début de saison, tu as fait des très bons matchs avec les Espoirs, mais on a aussi vu avec le Paris Saint-Germain. Ton coach en conférence de presse lundi a été élogieux envers toi. Je ne veux pas répéter ce qu'il a dit, mais il a été très élogieux. Il y a des joueurs d'EA aussi sur le dernier rassemblement qui ont parlé de toi de manière dithyrambique. Comment tu vis ça personnellement, cette période faste? Moi, personnellement, je le vis bien. Après... Ça me touche pas personnellement parce que je reste focus sur ce que je sais faire. Mais c'est avant tout un travail au quotidien, que ce soit sur le terrain ou même en dehors. Et je monte sur ce que je sais faire sur le terrain et j'essaie de le faire au mieux. Pred tobom zaista je jedan dobar početak i to smo vidjeli u PSG-u. Trener je imao samo riječi hvale za tebe. Kako doživljavaš tako mlad sve te uspjehe? Odgovor je dobro, ne zanosi me to nešto posebno, idem dalje, jako mnogo radim i važno je pokazati svoje znanje na terenu. Thierry, sur le dernier rassemblement, votre latéral titulaire, c'était Malo Gusto. Il est parti avec Léa. On avait vu à Nancy que Habib Diarra était rentré dans cette position. On a aussi vu sur les exercices cette semaine que vous le mettiez côté droit. Qu'est-ce qui vous plaît chez lui pour occuper ce poste? Bon, je ne vais pas vous demander s'il va débuter demain, mais est-ce que sur ce rassemblement-là, vous le considérez plus comme milieu ou piston droit? Non, c'est un milieu à la base. C'est sûr qu'il nous a dépanné contre le Danemark. Comme vous l'avez bien dit, c'est quelque chose qu'il a en lui, que tu joues sur le côté à droite au milieu ou derrière, c'est un peu la même chose quand tu dois aller presser, défendre peut-être un peu moins. Bon, il y a un peu plus d'aide aussi, mais c'est vrai qu'il a la faculté de pouvoir jouer dans pas mal de positions. Donc voilà, on n'a pas encore vraiment ciblé pour savoir comment on allait encore commencer demain. Mais il a la faculté de pouvoir jouer un peu sur le côté droit, ailier haut écarté, je ne suis pas sûr. Mais un peu plus bas, ouais, il a cette faculté de par son activité sur le côté.
Habib Diarra. Pitanje bi bilo u vezi sa Habibom Dijarom koji igra vezni red i njegovim kvalitetima, pa je trener odgovorio da zaista ima dobar kvalitet kao igrač u veznom redu i da može igrati nekoliko položaja i nada se da će tako nastaviti i u buduće. Thierry, une autre question sur un autre joueur qui est jeune, qui est très fort, qui est précoce, c'est Guillaume Rest, votre gardien. Vous avez eu des mots là aussi élogieux envers lui. Qu'est-ce qui fait que vous le trouviez à ce point impressionnant? Et deuxième question par rapport à ça, quand on a des jeunes comme ça qui sont précoces, qui sont très forts, est-ce que il y a une recette particulière mentalement pour les garder au très haut niveau? Franchement, je vais être honnête avec vous. C'est quelque chose qui est quand même assez aberrant pour moi. De voir ce que Warren arrive à faire, bien sûr, il va falloir qu'il soit, comme il a dit, focus et qu'il continue. On peut parler de Guillaume, il y en a d'autres derrière. C'est leur maturité qui m'impressionne. Encore une fois, on peut revenir sur le jeu, on peut venir sur la finition, sur pour d'autres, devant, derrière, les arrêts. Mais Guillaume est calme. Il est calme. J'ai l'impression qu'il a déjà 30 ans dans sa façon de jouer. Je dis bien souvent, il est jeune, mais son jeu n'est pas jeune. Donc voilà, ça c'est impressionnant. Si je reviens en arrière et je reviens sur mes 17 ans, voilà, je poussais la balle, je courais. Au bout de 20 minutes, j'étais déjà mort. Ils arrivent à tenir un match dans la durée et être bien, comprendre ce qui se passe aussi tactiquement. Maturité. Je suis vraiment quelque part surpris. Il faut aussi parler des gens qui les ont formés. Parce qu'on ne parle pas assez souvent du travail de l'ombre, des gens qui sont derrière, la famille, aussi super important pour pouvoir entourer ces jeunes, parce qu'on parle toujours de qualité. Et comme je dis bien souvent, ils ont oublié d'être bêtes. Et ça, c'est important sur un terrain. Za Thierrya u vezi sa igračem Guillaume Restom koji je u stvari golman i njegovim kvalitetom, a odgovor je da postoje zaista kvalitetni, izuzetno talentovani igrači u sastavu ekipe, da li je to Varen ili Guillaume, kako smo spominjali. Generalno impresioniran je njihovom zrelošću, jer su zaista tako mladi, a odrasli. Imaju ponašanje, tako su smireni, kao da im je 30 godina. Sjećam se sebe sa 17 godina, bio sam mrtav nakon 20 minuta, oni iznesu cijelu utakmicu. S druge strane, treba gledati i njihovu pozadinu, kakav im je bio odgoj, kakav im je bio trening i sve to može pokazati rezultate. Warren, aussi une question sur Guillaume. Sur le terrain, c'est aussi un leader vocal. Tu parlais d'autres leaders dans le groupe. C'est vrai que Guillaume parle beaucoup. Qu'est-ce que tu penses de Guillaume? Guillaume, c'est déjà un très bon ami. Après, je pense que c'est un très bon gardien et qui peut devenir un très grand gardien. Il a la qualité. Il est là pour parler, pour encourager. C'est un grand leader sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire. Il n'a pas peur de parler, il se lâche. C'est un gardien qui est là pour tout le monde. Pitanje bilo za kapitena. Šta ti misliš o Guillaume? Malo prije si spominjao da postoje lideri u okviru sastava. Da li je on jedan od tih lidera? Odgovor je da prije svega Guillaume je dobar prijatelj, ali istovremeno je jako dobar golman. U svakom slučaju jeste jedan od lidera, ali ne samo na terenu, nego u svlačionicama i tu je za svaku vrstu podrške. Thank you. Thank you. Merci.